Hey yo la team, c'est Will, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur DB Legends. Ça fait trop plaisir, ça fait trop longtemps, mais là on sort du react, du reveal and stuff. Donc ce que je vais faire déjà dans cette vidéo, si t'arrives ici, bah si t'aimes bien le contenu, je t'invite à voir, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la cloche, etc. Dis-moi sur qui tu m'as invoqué. Je vais pas passer par quatre chemins, je vais séparer cette vidéo par chapitre. Là je vais déjà te dire tout ce qu'il y a à récupérer lors de cette célébration du Legend Festival. Tu auras un big récap dès le départ. Ensuite, la découverte des animations et mon react et tout, nanana. Et à la fin de la vidéo, non, je te parlerai de ce qui est indispensable ou pas à récupérer. Mais déjà, juste à la miniature, tu sais déjà y a qui. Mais c'est un truc qui est plutôt cool. Tu verras un peu le détail des kits dont je parlais et tout lorsqu'ils ont expliqué. C'est fort, les gars. C'est vraiment très très fort. C'est genre très très fort et ça va être vraiment vraiment utile, surtout pour ceux qui sont en PLS contre Majin Vegeta un peu comme moi. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Tu vois au nombre de cristaux. Mais on va invoquer. Donc déjà pour commencer, il y aura énormément de cristaux à récupérer. Alors il y aura 500 cristaux pour 100 000 viewers lors de cette vidéo qui est partagée. Donc du reveal and stuff, tout ça. Tu auras un lien qui sera balancé sur les réseaux sociaux, mais il y a 500 cristaux à faire. N'hésite pas à le faire, c'est plutôt super important et c'est des cristaux en plus. Il y aura 200 tickets sur 20 jours à récupérer, plus 100 en bonus de connexion, donc ça t'en fait 300, où tu pourras récupérer des sparkings par-ci, par-là, là. Il y aura la fameuse multi à 100 avec 3 élèves garantis, tu le verras, j'en parle dans la vidéo, tu pourras voir qui c'est. Je vais essayer de bien te cut ça, mais il y aura le tag Evo, Beast et le tag Goku Freezer. Donc plutôt sympathique, je pense que ce sont des doublons qui sont quand même plus ou moins intéressants, même pour l'avenir. C'est plutôt sympathique. On a le retour des plaques qui te permettront de récupérer un certain nombre de plaques en fonction du nombre de cristaux que tu auras dépensé du 1er novembre 2023 au 1er novembre 2024. Ce sera le moment de voir qui a beaucoup invoqué, qui n'a pas beaucoup invoqué, etc. On aura le retour du lundi de connexion spéciale, donc ils donneront des récompenses, etc. Il y avait aussi la chasse au trésor, je ne sais pas si vous vous souvenez, au 6e anniversaire, où il fallait trouver les trucs chaque matin pour trouver des trucs bonus, des CC, des petits PZ et tout, nanana. Il y a le retour, donc ça c'est trop trop bien. Raid continue, 3500 cristaux à récupérer. Donc déjà, avec ce que je t'ai dit là, il y a 4000 CC en tout, déjà. Il y aura le retour des Hop Boy, donc 500 cristaux. Il y aura les missions qu'on a eues au 6e anniversaire qui te donneront 4000 CC encore. Donc là, on est plutôt... Tu vois, ça monte bien. C'est plutôt pas si dégueu. On est déjà à 9500 CC, là, tu vois. Enfin, 8500, pardon. Donc, c'est plutôt bien. Bonus champion, 500. Ça t'en fait 9000. Là, il y aura... Après, il y a eu les personnages, etc. Faut savoir qu'il y aura aussi dans le shop du PVP Festival, on aura une session avec 1000 CC qui seront sûrement renouvelés lors de la P2 ou voilà, ou P3. Donc c'est bien, il y aura 1000 CC à récupérer dans le shop et 1500 CC dans le coffre au trésor. Manque pas ça. Ne manque vraiment, vraiment, vraiment pas ça. Donc là, au moment, tu as tout le récap des news avec beaucoup de CC à récupérer, etc. Et pour les personnages, ben, je te laisse découvrir. Alors, il n'y a pas eu d'annonce de nouvel événement, je vais pas te mentir, niveau PVE, je pense que ça va être tout aussi désert que d'habitude. Moi, alors, je te fais la vidéo, tu vas voir, elle va sortir là. Elle va sortir aujourd'hui, le 21 novembre. Je suis pas classé. Mais, bon, tu connais, c'est le taf, hein, t'as capté. On va répondre rapidement après. Mais, qu'en gros, là, je suis 48 millième. T'inquiète, moi je vais me classer, je vais aller chercher mes cristaux pour pouvoir invoquer dès demain matin, les gars. Donc je vous laisse avec le récap des news, etc. Prenez soin de vous, tchuss. Et dites-moi sur qui vous invoquez, et bon rival, vous allez péter un câble. On arrive au moment qu'on attend tous. Let's go. Allez. Là, on est d'accord. Allez. Mets-nous bien. Est-ce qu'on nous fait un rap à la Dokkan avec couleur? Ok, première partie de DBS. Attends, qui est Beerus? Beerus? À part Beerus, pas Goku, c'est Beerus. Mais non! Oh pétard! GG Thomas Form, transfo. Aïe. Oh là là, on est dans la D. Oh, demain on invoque. Something new. C'est quoi le truc nouveau, attends. Egypto Blue. Non, ils savent, ils connaissent trop, ils savent.
Bon, c'est pas le végétaux qui joue une game, donc il garde la cartouche pour un autre perso. Ah ouais, ils ont inventé l'attaque. Ah ouais. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué. Bien joué les devs, bien joué. Bien joué. J'ai hâte de voir la couleur. J'ai hâte de voir la couleur. Mais bien joué, bien joué. Ils sont forts, ils sont forts. El segundo. El segundo. Est-ce qu'il y a une surprise hein? Mais non. Ah, Goku Black. Simple. Ok, elle est. Oh, le modèle 3D ouf. Ah là, c'est une future qui prend un up de malade, hein, les gars. Oh, ah, la c'est des gamins, c'est des gamins. Non, les devs, c'est des gamins, c'est des gros gamins, les devs. Purée, on va reprendre les vidéos sur DBL, hein, un peu, évidemment. Bon, les persos vont pas corriger les problèmes du jeu, évidemment, mais... ils sont forts. Ils sont relous. Ok, bon, c'est pas un tag. C'est pas un tag, c'est Végéto contre Goku Black. Étonnant, parce que c'est pas That's Zamatu, right. C'est pas la dualité. Legend mais on va voir le kit, les gars. On va voir le kit. On va voir le kit tout de suite. On va aller voir le kit tout de suite. Yep. It's been a while since we've had new characters from the future Trunks Incroyable. Saga. Incroyable. This is the first time Vegeta will be able to transform to Super Saiyan God, non. Super Saiyan, and ouais. The first time Goku Black will be c'est able vrai. To transform on a jamais to eu les modèles Super de base. Saiyan Rosé donc là, c'est plutôt as a cool. Legend limited character. Vegeta possesses outstanding offense, while Goku Vegeta Black est classe has outstanding et l'artwork defense. De Vegeto, so, il est excellentissime. C'est un mix de Dokkan et des DB Legends, quoi, au niveau de la base forme, elle est ouf. Et il aime Black. My, along with Perfect Form Cell and oh, Final Form Frieza, BBGT. Who fought with Goku in Hell during the Super 17 attends, saga attends, attends, of Dragon attends, Ball attends, GT attends, une P2 DBGT qui arrive. Coming to Legends. On more thing, enfin, non, je pense pas. Too slow. Ah, les animes, elles sont belles, elles sont stylées. Ça aurait celle GT, quoi. Open safe? Non, du tout. Switch, logique. Mais c'est sympa d'avoir un Freezer et celle GT. Franchement, comme il dit, ça ouvre une grosse variété de team. Là, t'as du LOE, t'as du Cyborg, du Futur, du... Enfin, grâce à celle qui est dans un team, c'est fort. If that's all, it's quite a disappointment. Ok, nice, j'aurais jamais pensé à ça. Far from a match for us. Ok, ok, au niveau des animes. Ok, double couleur, bleu, violet. The Z ability 3 you on will niveau love, des tags, hein, Android, absorption gène... Ah ouais, waouh, outre... The most unique part of Cell and Frieza is the awakened art, almighty like Kate. Characters with awakened art are okay, pretty rare lock, in legends, and this is the first new one in quite some time, but the effect is really powerful. As you can see, there okay, are some conditions tu that need to be met, but if you can learn this awakened art, then the enemy character genre, will be sealed. Un peu comme le Mafuba. Plutôt, c'est comme le Mafuba, non Compris. Ouais, pour moi, c'est le Mafuba. Hein. Combat avec deux persos. Voilà. C'est une sorte de Mafuba. T'as un deuxième Mafuba avec ce personnage. Plutôt cool. Plutôt cool. Il sort. Perso sort. If you look at characters already in the game, the Evil Containment Wave, Ultimate Earth, the Yellow Master Roshi voilà. Has can be used in much the same way. Ok. If you can seal an enemy plutôt pas mal. Character quickly, you'll plutôt be able mal. To battle with a numbers advantage for plutôt long period si mal. Of time. Cell and Freeze has other great features aside from the Almighty Light Cage. One would be the impressive recovery abilities you might expect from an attack character. Ouais, ça c'est, this bah, character c'est cool. Can recover health when ah, purée, it attacks faudra vraiment jouer sur les switch, les gars. Strike or blast earth hits, leading to truly some staggering recovery. This character also has impressive combo capabilities. Okay. After attack switching, Earth card draw speed will be increased for a number of time accounts. So combined with the buff at battle start,
It will have plus two levels to Earth's cards. Vitesse de purge plus 2, switch. En gros, faudra que tu... En gros, c'est un personnage. Tu tagues, tu tapes, tu tagues, tu tagues, tu tapes, tu tagues. Est-ce qu'il a d'anti-cover? You can use this unit in GD and future futures. Parties. So we hope you'll give this tag. Let's go. Then. Next up is Mai. Mai, quelle couleur? Donc c'est une blast, c'est une blasteuse. Elle est stylée l'attaque, pardon. Ok. Bon, Mai, au niveau des animes. Mai is element red. Elle est rouge. Elle, monte, elle vient de monter de 8 tiers là d'un coup dans ma liste. Ok, non, bien sûr que c'est des joueurs. In future parties, but it's been a while since Tag Girls has gotten a new character. Plus, okay. Tag weapon ça c'est plutôt cool, porteur d'armes Glorio comme Goku et Glorio, ça c'est bien. So the three of them could make a pretty nice party. Now, cool en team futur, ouais, elle peut être plutôt pas mal. Elle peut être plutôt pas si mal. Moi, j'attends de voir la couleur de Black Goku. Et on aura potentiellement des indices sur le Zenkai LF à venir. And upon landing a blast art, you'll be able to draw another art up to two times. Qu'elle génère des cartes, c'est ça? Depending on the number of times that you land blast art, you can inflict the enemy with heavy bleed. Ça, tu draines des PV sur le banc, poison, torpeur, excellent. Excellent, ça va vraiment être un bon personnage support. At the start of battle, tag weapon wielder, tag future, and tag girl. Future, porteur d'armes et fille. Ok. And when Mai returns to standby, ça peut être un très bon personnage en team future. Surtout si t'as le nouveau Black Goku, attack, nouveau Vegeto, Mai en troisième. Mai, ah ouais, ça te rebuild ta team, surtout avec le nouveau mode là. Let's go! On peut annuler l'entêtement. Et cette Mai, essaie de la choper contre Majin Vegeta, les gars. Choper Mai, choper Mai, choper Mai. On fera un récap des persos à choper tout à l'heure. Vegito, 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 Vegito. Ok. Il est trop beau. Oh là là. Moi, de toute façon, Vegito. Aïe 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 aïe, c'est beau, c'est beau. L'attaque est énorme. Ah ouais. Ah ouais, 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 les gars. Ah ouais. Ok. Vert. Bon, déjà, il a déjà sa cape de Zenkai. Vegito is an incredibly powerful attacker that overwhelms opponents. Purée, Vegito, with high Vegito combo ultra power. La passion. Let's discuss the two main features that give Vegito this overwhelming combo écrasante. Power. The first is that for the first 30 timer counts of battle, enemy special mais évidemment, mais évidemment, évidemment, anti cover 30 secondes. Direct. And after transforming, and it is Vegito's attack type unique gauge that charges every time this character uses an art. OK, comme Vegito ultra. Once the gauge is full, a whole host of powerful effects will activate the draw out cards. Pioche de vitesse de pioche. Speed, nullify destroy card stylé, and ça. Reduce key effects and more. That's not all. Il est bien protégé. Vegito has a new feature that will nullify your opponent's ult counter. Mais non! Actions and special attends, 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 attends! Il a une jauge! Anti-jauge! Case, mais non! You can go on the attends, il annule les contres! To worry about odd counter from the likes of Ultra Super Saiyan 4 Gogeta. Start by filling up. Ah ouais! Chopez-moi ce Vegito, les gars! Ok. Then, once you feel ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons. Your offense while you have immunity mise au contre automatique. Evade actions. Mon esquive est mise à... Ouh, mais j'ai tout le code, c'est bon. Même un exemplaire, il me le faut. Pendant le reste du combat. Mouah. Ok. Par contre, faudra choper Vegito, les gars. Faudra choper Vegito. Ouais, direct.
You've broken down the offensive abilities so far, but Vegeta also has good defensive abilities and is an easy to use character. For defenses, la vidéo j'appelle le sauveur de DB Legends, le sauveur de DB Legends. Et c'était Vegeto. C'était Vegeto les gars. OK. Enters the battlefield. That can help Vegeto take an attack, but this effect also helps allies if you decide to switch to a more defensive character. Plus, if the enemy activates an ultimate art or raging rush, allies' substitution counts will be reduced. So if you don't want Vegeto taking that hit, this will help you switch out, for example, to a character with an endurance effect. Okay. We mentioned Vegeto was easy to use, but when you use the main ability before or after transforming, the vanishing gaze will be restored. Stylé! Après le vide! Oh là 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 là! During battle to restore your vanishing gaze. Bon, c'est bien ça. Steal the initiative from your opponent. Le GOAT de la célébration! Le GOAT, les gars! Je veux rien entendre! Le GOAT de la célébration! Résumé! Tu attaques, tu cherches sa jauge, tu détruis tout. En gros. Shop Vegeto. Shop Vegeto. Super Saiyan got Super Saiyan is exhilarating and a breeze to use. Fallait que ça soit Vegeto! Last but not least, c'est bon, Toshi, c'est un pro Vegeto, les gars. Je cherchais pas. C'est un pro Gohan, pro Vegeto. Et si on s'en doutait, mais... Bon, qu'est-ce qu'il nous réserve Black maintenant? Belle anime, hein. Oh, j'ai pas fait gaffe tout à l'heure, le. Il se laisse prendre le coup. Oh là 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 là. La dinguerie, la dinguerie. La dinguerie. Oh là 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 là. C'est vrai que vu comme ça c'est beau. Non, vu comme ça c'est beau. Vu comme ça c'est beau. Jaune. Un futur jaune, cool. Mirai. Cherchez pas Mirai. Mirai Gohan arrive. Mirai Gohan Zenkai arrive. And then go on the offense with explosive attack power. Mirai, oh là là là, le yellow green. Oh là 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 là, le poulet. First, let's talk about some abilities that are shared before and after transforming. Okay. Defensively, this character has a unique gauge that will charge when hit by enemy earth cards. Ok, donc lui, plus il se fait taper, plus sa jauge augmente. If you destroy enemy earth cards, reduce their top key, and inflicts all opponents with no special cover changing. Vegeto has new abilities too. Il demande de nouvelles capacités, mais cette attention est une première. Also the first of its kind. Characters inflicted by this effect will be unable to perform special cover changes. That may seem like the existing ça, par exemple, buff forcément existant, effect that prevents enemies from performing special non, cover c'est, changes. C'est différent. But since this is an effect that is applied to enemy characters, any characters on your side will be safe from enemy cover changes. En fait, l'anti-cover s'applique sur l'ennemi, donc du coup, tous tes gars de toute ta team peuvent enchaîner l'ennemi qui a ce malus en gros. C'est encore plus broken. Ah, c'est encore plus broken qu'une anti-cover que toi tu as. C'est lui qui peut plus cover. And then counter attack while benefiting from the special cover change prevention. Ah ouais. Include how if the enemy uses an ultimate arts or raging rush while Goku Black is on the battlefield. Ah ouais, non les gars, c'est beaucoup trop fort. En gros, vous aurez des free combos. Canceling enemy buff vraiment, effects c'est fort. That if they have buffs that nullify endurance effects or unfavorable attributes, Goku Black can get rid of them. Place this unit on the battlefield and you'll be able to handle big attacks from enemies that normally nullify endurance effects or unfavorable element factors. Let's talk about some of the differences before and after transforming. Ah non, c'est fort les gars. C'est fort. En gros, le perso, c'est un joker, comme dans un jeu de cartes. C'est un joker, en gros. Effect that we talked about earlier for a number of timer cards. En fait, that will make it really on va en parler à la fin. Mais c'est fort ce qu'ils ont fait les devs quand même, c'est fort. Another unique feature pre-transformation is Goku Black's powerful en gros, il faudra special les deux. It is a special art that can be used pour contrer enemy melee tap action action physique, or physique. Art cool. Activation. And stylé if ça. Counter success, your opponent's vanishing gauge will be reduced. You will get a buff to damage inflicted and you will draw art cards.
Effective use of this special bon, ça va reprendre le jeu en toute patate, les gars, je vous le dis. On va reprendre le jeu en toute patate, là. Now, after transforming, this character ils ont réussi à me hype, les gars. Moi. Special move art. The special art is easy to non, use since it draws and tire une carte d'art. And nullifies enemy special combo changes. And if the unique gauge is full, the entire gauge will be consumed to shorten ally substitution counts and fort. Even restore Goku Black's même régénérer la vie, ok. The special move arts can nullify enemy endurance effect on ok, ça c'est cool. Il enlève, il enlève la survie. To buff special move damage and reduce all ça, enemies' health restoration. Many of the recent characters have a lot of ways to recover health. Je confirme. So this should be a useful effect. Bon, ça c'est cool. We think they really bring the character to life and we hope you'll give it a try. C'est bien, il a un petit survie au chaos sur, le, sur l'aspect. C'est vraiment, vraiment, vraiment top. On a la tête du portail, retour de Gogeta. Faisons une game. Excellent. Alors, j'aurais pas choisi celui-là, perso, mais... Et bon, vu que c'est la première partie. C'est vrai. The music you're hearing now is some new, original music that we'll be releasing in-game. Okay. You'll hear it in various places in-game, so remember to turn your sound up. Top! Those are all to share. De nouvelles infos à partager avec un nouveau personnage exclusif au perso. Qui est-ce? C'était le Trunks, donc on avait vu sur Twitter, hein, évidemment. Super Saiyan Trunks, adult. Par contre, il est beau! From the future Trunks saga. Alors ça, ce sera le modèle du Trunks jaune qu'on avait eu au... deux ans. We'll be able to collect Z-powers from events, so be sure to aim to limit break this character. Hein? It's time for some PvP related and it's info about... Mirai Gohan. Mirai Gohan. Ah non! Trunks, mais non! Oh, stylé! Ah ouais, c'est stylé ça! Oh purée, la famille royale! Oh lo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 l! Famille royale! Aïe aïe aïe! Ah, famille royale! Waouh, la famille royale de V. Bon, nous là, on pourra le tester. Vas-y, franchement, je suis. Alors, ça commence bien le Legend Festival. Il commence bien. On va pas se mentir, c'est des bonnes news. Et il méritait son Zenkai, lui. Il méritait clairement son Zenkai. Ouais, il y a des trucs à dire. Y a des trucs à dire. Super Saiyan Trunks team. Ok, on check les habilités, mais famille royale, ça va devenir Giza. Puissant, je pense. Et là, et au final, je disais que cette Mirai, peut-être plus tard, en dernière partie, mais lui vient buff Végéto. Ah non, ouais, futur. Ouais, il vient buff Végéto. As a token of our thanks to all of you, the players, we prepared loads of content. Ok, bon, il y aura du contenu en plus. C'est cool. Plenty of great items like chrono crystals and slot removers by playing events. Merci, and Toshi. Other content. So make sure you don't miss out any of it. We have lots more events planned that we couldn't share with you here. On va se retrouver sur Twitter hein, pour le reste. Mais les gars, ma. To start tomorrow. Demain. We hope you all have a blast. Thank you for watching today. Bye everyone. Bye. Rendez-vous à 9h ou 9h30 sur Twitch. On part invoquer. Et là, on vous aurez le récap des vidéos avant. Enfin, des news avant. Passez une bonne journée.